Oh non, mec. Hugo. La ruelle s'est effondrée, je suis tombé. Non. Et hop. Mais... Mais ça va pas? Mais ouais, non mais c'est ça le cinéma, c'est ça le cinéma, je suis mec, vas-y relève-toi. Ok, bah 2 minutes. On a des fans. Mais non, c'est fou. Même à Dundin. Bienvenue dans l'épisode 19 les mecs. Et ouais, c'était une petite farce, nous sommes à Dundin du coup. On va vous proposer dans cet épisode de visiter cette putain de ville. Incroyable, réseau de coques énorme, donc on va pouvoir bien s'amuser. Toutes les villes en fait ici, c'est ouf. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, l'abonnement, tout ça, le petit commentaire comme d'habitude. Écoutez, on est parti. Épisode 19, Maureen. On y va. Let's go. Super. Bon les gars, on est tout en haut de Baldwin Street, la rue la plus pentue du monde apparemment. Ouais, ça rigole pas. Regardez-moi ça. C'est peut-être faux ? Ouais. Bah écoute, c'est pas. En tout cas, c'est marqué ici. Et voilà, première chose à visiter de Dundin, cette rue bien penchée. Là, on est tout en haut, on va partir pour la redescente. Et on se retrouve plus tard. Parallèle. Non, c'est incroyable en vrai. Regardez ça. Je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra. C'est vraiment très très penché. C'est ultra penché. Bah on le voit derrière moi là. Non mais c'est ouf. Maureen vous dira ça dans le fun fact en fin d'épisode. Mais elle a toutes les explications. Ouais, je pars en courant. Ça y est, c'est parti. Bon les gars, on se retrouve dans une prochaine activité. Un prochain lieu. A plus. Bon les gars, dans cet épisode spécial Dundin, je vous présente la ville, bougez pas. Hop, un peu de parcours. Hop là, la ville de Dundin les amis. Bienvenue. Nous sommes à Signal Hill, donc petite colline, avec vue sur Dundin du coup. Incroyable. Bon, j'espère que vous kiffez un peu la vue, hein. Dundin, c'est sympa comme tout. Et on continue la petite visite, direction le jardin botanique. Et je parle en 0,5. Ah, merci. Génial, du coup. Je suis super contente. Et voilà les gars, on est au jardin botanique. On se balade un peu. On va nourrir les canards. Ouais, on va aller nourrir quelques petits canards aussi. Apparemment, on peut faire ça. Mais non, on a la ville de Dundin et l'Otago Peninsula. Quand même, il y a pas mal de choses à voir. Et on va essayer de faire ça en une semaine, non? Parce que c'est pas mal. Du coup, on bombarde. Là, on a fait déjà trois points de vue de la ville. Enfin, trois points de vue. On a déjà fait trois lieux touristiques de la ville et tout. Du coup, voilà, ça bombarde sur l'épisode 19. Attends, on va à 200 km/h. Putain, ça me fait baver, moi, quand je parle. Attends, je suis mort de rire, Maureen. On n'a pas le temps pour ça. Non, si, il faut que je le remonte. C'est un caca, mais que l'île du Sud. Encore une fois. Il est là, il y a de la merde, il y a le caca. Il est là. Oh, le caca. Caca. Gros caca. Gros caca, tu sors? Momophoto, ouais. Momophoto, disco, faire une dédicace. Oh, Hugo, arrête. Bon, en vrai, je fais l'andouille, les mecs, mais par contre, les oiseaux, ils sont vraiment impressionnants. Regardez ça. Lui, il est juste en tôle, c'est Prison Break, il veut s'échapper. En fait, les gars, les grillages sont tellement vénères, on peut même pas les filmer. Ils font que gueuler, vénères. Ah, oui, ils sont stylés. Pretty boy. Oh,
Non mais le perroquet il arrête pas de parler. Lui, et non mais lui il veut juste se barrer Maureen. Mais c'est ouf, hein. Il veut pas parler. Ok les gars c'est la giga merde. Allez hop, ça vient. Au barbecue les gars. Ça fait un peu mal mais en vrai ça va. Oh, elle a un pigeon quoi. On a tout la mort. Film. Wesh. Oh là là. J'espère qu'ils vont pas me chier dessus. Wow. Oh, on y a que le doigt. Allez les gars. Ah écoute, tu vas faire chier dessus. Non, c'est fermé là. C'est fermé. Maureen, t'as le plus. On le ramène. Aujourd'hui, direction Tunnel Beach. Tu nous as parlé de cette petite plage sympa. Apparemment, en fait, tu marches carrément dans un tunnel. Du coup, on va se faire ça tranquille. Hein. Oui, mais c'est pas un grand tunnel, hein. C'est juste un passage sous la roche. Ah, ok, bah ça reste un tunnel quand même, c'est stylé. Ça fait longtemps que t'es pas fait une petite balade comme ça, Maureen. Avec toi qui prends les photos, là, on marche tranquille. Putain, c'est sympa, par contre. C'est tout sympa, là. Ouais. C'est intéressant, ce qu'on voit. Ouais, c'est trop beau. En tout cas, très beau cadre quand même. Hein. Pas vrai, là, il y a de la team. On n'est pas d'accord? C'est magnifique, hein? Quelle côte de fou! Tu parles pas de la côte de bœuf, hein? À pas confondre. Et voilà, sortie du tunnel entre les cailloux les amis. Tunnel Beach Dundee, incroyable. Je pense qu'on a un peu mal géré au niveau des marées et tout. Comme vous le voyez, la marée elle est juste là quoi. Et du coup on va revenir un autre jour où la marée sera descendante pour vous faire des petits plans sympas et tout. Je pense que même je sortirai le drone et tout. Donc je vous propose tout de suite une petite téléportation dans le temps, un autre jour, mais au même endroit. Donc à tout de suite. Hop là, salut les mecs, aujourd'hui, du coup, suite de la journée, on va se faire le jardin chinois de Dundee. Du coup, c'est parti, je vous embarque là-dedans. Les gars, en gros, on fait la petite visite là des jardins avec une amie chinoise qu'on a rencontrée aux pommes et elle nous explique que ici c'est les jardins. En gros, là ce qu'on voit, c'est un jardin typique d'une personne un peu riche, un peu aisée en Chine, dans les régions du sud de la Chine. Et parfois aussi, il y a certains jardins traditionnels qui sont comme ça en Chine. On apprend sur la Nouvelle-Zélande et sur la Chine quoi quand on vient ici. Salut les mecs, les amis, regardez-moi ce putain de lever de soleil. C'est magnifique sans déconner. Aujourd'hui, petite journée sympa parce que là, ça va surfer à Dundee les mecs. 9h, j'ai ma petite séance de surf, une petite location. Mais d'abord, ces petits réveils avec ce magnifique lever de soleil quoi. Regardez-moi ces couleurs, voilà. Allez, on se retrouve plus tard pour le surf les gars.
c'était incroyable. C'est la meilleure session de ma vie. Ah, je suis rincé pour la journée, c'était incroyable. Oh là là, c'était juste fou les mecs. Qu'est-ce qui se passe? Caca. Oh, touche pas avec tes mains. Oh là 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 là. Mais va l'essuyer dans l'air. Salut les gars, comment ils vont? Demande-leur comment ils vont, tiens. Comment ça va? Voilà, comment ça va? Vous mettez dans les commentaires comment vous allez. Regardez ça, c'est la gare en travaux. En fait, je me suis dit, on vous parle de Dundee depuis le début, mais on vous a pas montré le centre de Dundee. Du coup, direction le centre de Dundee pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. La ville pure, et on compte pas le pouce. Sinon, il n'y a plus de pouce bleu si tu me comptes le pouce. T'en as un deuxième? Tu peux répéter ce que tu m'as dit? Super agréable de se balader en ville. Voilà, on est dans la rue passante, là, marchande. Sauf qu'en fait, tout est en travaux. Cette ville, c'est la ville en travaux. C'est un truc de fou. Voilà, ici, il n'y a pas plus au centre que la ville de Dundee. C'est un grand cercle où tout le monde passe. Et pour continuer de vous faire visiter cette ville de Dundee dans les moindres recoins, rien que mieux que le fun fact de Maureen. Les gars, c'est parti. Jingle. Mais avant ça, on va manger une glace. Bon, voilà les glaces. C'est parti. Jingle. Glace. Jingle. Bon, alors, vous savez rien sur Dundee, du coup je vais tout vous dire. Est-ce que déjà, vous savez à quelle ville ressemble Dundee? Go, toi tu sais? Moi je sais, ouais. Ok, c'est bien. À Édimbourg, parce qu'en fait elle était nommée avant la nouvelle Édimbourg, parce qu'elle ressemble beaucoup à Édimbourg. Et donc plus tard elle a été nommée Dundee, comme on le sait maintenant, ce qui veut dire en gallique donc Odin sur la colline. Elle s'appelait Nouvelle-Édimbourg parce que bien évidemment c'est des Écossais qui l'ont découverte et qui ont fait les plans. Et en fait donc quand en 1848 elle a été fondée par les Écossais, donc en fait ils ont acheté le terrain aux Maoris pour une bouchée de pain. Sauf qu'ils n'étaient pas au courant, enfin ils n'avaient jamais vu le terrain avant de l'acheter aux Maoris. Les Maoris leur ont dit tenez on vous offre cette parcelle de terrain, donc la ville de Dundee. Et voilà, pour trois fois rien. Ils rentrent en Royaume-Uni, ils font les plans, donc ils leur disent tenez, là, le terrain il fait cette taille là, vous me faites une ville. Donc le mec il commence à faire une ville, machin. Ils arrivent ici, ils construisent une ville et là bim, Baldwin Street. Donc là ils se sont dit bon bah tant pis, hein, maintenant qu'on a la ville on va pas retourner au Royaume-Uni leur dire bon bah celle-ci elle est penchée à 35 degrés. Donc ils font quand même la ville, c'est pour ça que toutes les villes ici elles sont un peu penchées, enfin elles sont sur des collines quoi, puisque finalement... Donc en 1881, ici, dans une rivière près d'Undine, il y a eu la découverte de l'or. Ils ont fait une découverte, il y avait de l'or. Et donc ça a fait que, bah, ça a fait la ruée vers l'or. La population, en quelques mois, elle a quintuplé son nombre de population. Elle est donc devenue, suite à ça, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'or dans cette rivière et que du coup, tout le monde se casse. Donc aujourd'hui, Dundee compte environ 120 000 habitants, dont 20 000 étudiants, parce que c'est la plus grande ville étudiante du pays et c'est aussi ici qu'a été fondée donc la première université de Nouvelle-Zélande dans l'Otago en 1869. Maintenant, nous allons parler de cette jolie gare de Dundee qui est en construction malheureusement à mon plus grand regret. Elle a été construite en 1906, est-ce que vous savez par qui? Par le monsieur qu'on appelle Georges Pain d'Épices, c'est son surnom. Son vrai nom c'est Georges Trou. Et donc normalement, on le voit pas ici mais on a filmé peut-être d'autres bâtiments où il y avait cette pierre, elle est construite en pierre noire de l'Otago. Non, pierre bleue mais qui ressort en noir, pardon, de l'Otago. Et donc le building qu'Hugo il vous a montré avec l'Otago Daily Time, c'est le plus vieux journal de Nouvelle-Zélande qui est dans ce building. C'est là où est écrit et édité le plus vieux journal, voilà, de Nouvelle-Zélande. C'est ça. Exactement. Baldwin Street, cette grande rue dont tout le monde parle, mais personne ne sait qu'elle est ici. Et non, ce n'est pas à San Francisco que la rue la plus pentue du monde est, oui. Mais bien à Dundee. La Nouvelle-Zélande, bien évidemment, qui est le meilleur de tous les pays du monde, veut contester cette rue à San Francisco et veulent faire en sorte que la rue de Nouvelle-Zélande soit elle la plus grande. Je sais pas comment ils vont se débrouiller, ils vont rajouter des marges, on sait rien. Mais ils vont être la plus grande rue de Nouvelle-Zélande. Des marches. Ah, ok. C'est 35 degrés, hein, au moment où elle est plus pentue, sur 350 mètres, les 35 degrés. Quand on marche, quand on monte de 3 mètres, on prend 1 mètre d'altitude. C'est énorme. Et je sais pas si vous avez fait attention, mais le revêtement de cette rue, c'est pas du goudron, mais c'est du béton. Parce qu'en fait, s'ils avaient mis du goudron, elle fondrait, ça fondrait, ça coulerait avec la chaleur, tout ça. Et donc, il y a deux événements majeurs qui se passent dans cette rue. Il y en a un, c'est le
Baldwin Street Ghost Buster. Et en fait, c'est une course aller-retour de cette rue-là. Et le dernier record a été de 1 minute 56, aller-retour. Hein. Et le deuxième événement s'appelle le Jaffa's Race. Jaffa's Race. En fait, ce sont des petits bonbons orange au chocolat de la marque Cadbury, qui est en fait une usine qui était autrefois Dundee, mais qui n'est plus là. Elle a été démolie en septembre 2021. Et donc, c'est un lâcher de plus de 75 000 petites boules de Jaffa's, là, les petits bonbons, qui dévalent la rue jusqu'en bas. Mais il faut que Hugo, il vous mette des photos, parce qu'en fait... Une vidéo, peut-être. Oui, une vidéo, hein, une photo. Mais en fait, c'est bien encadré. Enfin, c'est bien encadré. Ça peut pas aller partout, en fait. C'est pas du gâchis, entre guillemets, parce qu'à la fin, en plus, on peut les ramasser, les bonbons. Plus, ils sont... Chaque bonbon est numéroté. Et au début de la course, enfin avant la course ou quoi, il y a quand il y a 75 000 bonbons, il y a 75 000 numéros. Et il y a un mec qui va mettre 20 euros sur le numéro 10 arrivé en premier en bas. Et je crois que les 8 premiers, ils gagnent des lots. Les 8 premiers bonbons arrivent au bas, ils les capturent, ils les gagnent. Et après, tu peux ramasser tous les bonbons et les manger. Et le petit jardin chinois qu'on a été visiter justement avec une chinoise. En fait, il rend hommage aux prospecteurs asiatiques. Parce qu'en fait, ils ont Dundee et Shanghai, ils ont des super bonnes relations comme ville. Du coup, ça leur rend hommage, entre guillemets. Et aussi parce que quand c'était le moment de la ruée vers l'or, ça je me souviens plus exactement. Mais les Chinois, ils ont joué un rôle important dans l'exportation de l'or, tout ça. Donc c'est aussi pour ça. Et les pierres, en fait, elles viennent de Shanghai. Elles ont été importées et 960 tonnes de pierres de Chine, de Shanghai qui ont été importées. Donc c'était des vraies pierres. C'est la fin. J'espère que vous avez tout retenu. Parce qu'il paraît que Hugo, il vous a préparé des évaluations. Moi, j'aimerais pas la faire. Et faites pas gaffe au PQ juste là. C'est parce que parfois, ça m'arrive de chier dans le lit. Ouais. Du coup, il faut que je m'essuie la nuit ou des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on met ça là. Et c'est ultra embaumant. Ça embaume la pièce. Ah, ça embaume. Bon, ça pue, embaume. Quoi. Ça pue la oui, merde. Mais bon, voilà. C'était juste pour dire que ça pue la merde. Ciao. Salut les mecs, on vient de mettre le plein dans la titine, elle avait bien soif, hein qu'elle avait soif la voiture. Et oui, c'est une grosse gourmande, j'ai pas pété, je te jure. Mais t'as pété encore? Bon, faut que je t'avoue un truc. Quoi? Je viens de mentir. Pas besoin de me regarder comme ça. Bon les gars, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de prévu? On a de prévu l'Otago Peninsula. Et ouais, donc on va se visiter cette petite péninsule de la région de l'Otago, comme l'indique son nom. Et bon voilà, c'est tout, on est parti pour s'en mettre plein les mirettes, je pense, Maureen. Voilà, c'est carré. La faune et la flore de Nouvelle-Zélande. Eh oui, c'est vrai. Meilleur endroit de l'île du Sud pour observer les animaux. C'est parti les mecs. Premier arrêt les gars. Smells Beach. Incroyable. Avec en face une île qui s'appelle le Bird Island. Voilà, on va longer la côte tranquillement. On va faire notre petit bout de chemin. Dans l'Otago Peninsula. Là là les gars, on va se régaler, on est en train de se faire à manger au bord de la péninsule. Vraiment cette petite découverte pépite parce qu'il y a des coins très très sympas. Juste avant on était à Harrington Beach, Harrington Point, c'est ça un truc comme ça. Bon de toute façon ce sera écrit, de toute façon vous l'aurez vu. Mais voilà, on est en train de se bouffer ça tranquille et normalement on voit des lions de mer tout à l'heure. S'ils sont encore là parce que normalement c'est de décembre à mars. On est début avril, normalement ça devrait aller, ils ont pas eu le temps de faire leur petite valise comme disait Maureen tout à l'heure. Hein, parce que le 31 mars des fois... Le 31 mars, ils préparent pas leur valise, je pense. Voilà. Ils ont pas de calendrier, ils ont pas de téléphone pour savoir. Hop, détrompe-toi parce que... Sous la queue. Ils sont là en mode...
avec leur iPhone Otari. Otari. Allô, c'est le phoque de la péninsule. Je vais démarrer. Bof, l'impro. Préparation en cours de la... Non, arrête Hugo, à chaque fois... Qu'est-ce que t'as fait? À chaque fois Hugo il fait genre, mais il adore tout ce que je peux manger. C'est juste, c'est pas très visuel, c'est tout. Oula. Tu nous as fait... C'est quoi? Bah un peu d'algues. Non, mais là c'est carrément de la merde. Bah, t'as pas dit que cette nuit t'avais fait caca partout? Alors, il y a des trucs qu'il faut cacher. Ah bah si, regarde un poil de queue toi. Hop, allez, on arrête là, c'est trop. Le repas est prêt et on mange en face d'une attaque. En fait, on a vu un phoque. Ah putain, là-bas. C'est un lion de mer, je crois. Ah ouais? Ouais. C'est ouf. Oh la vache. Ah ouais, il se régale. Oh là là, on le voit là. Waouh. Bah là, on est carrément en face d'un lion de mer qui est en train de déchiqueter le poulpe. Il se régale, il va se faire des bons rabats là, tranquillement. Voilà. Sur ce, nous, on va manger. Pas plus. Bon les gars, là on est carrément en direction de Allan's Beach. Et en fait on s'est arrêté parce qu'il y avait simplement des lions de mer qui sont posés par terre quoi. Donc là, un grand classique hein, de la Nouvelle-Zélande. Maintenant ça devient une habitude. Et voilà les gars, fin de la journée avec l'Otago Peninsula devant la plage de Saint-Cric. Regardez-moi, je suis grande vague. Ouais, j'ai fini ma glace. On s'est pris des deux petites glaces à marchand de glace avec un petit camion. Demain, au programme, on retourne à Otago Peninsula parce qu'il manque une plage à faire. Et après, gros événement. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez ça demain pour le gros événement. Ça va être sympa, comme tout. Voilà, allez, à demain les mecs. Ciao, ciao. Bisous. Voilà, super. Content. Hey, salut les mecs. Alors du coup, on est bien samedi là. Et en fait, le programme, il a totalement changé. Hier, j'ai dit n'importe quoi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Maureen? On va déjà rester en ville. Et on va aller faire les tours un peu des hospice shops. Parce que Maureen, elle a besoin de se trouver des petits pulls. Parce qu'il commence vraiment à cailler. Et pour la suite du voyage, c'est important. Là, on sort de la petite douche. On se douche dans des cabanes comme ça là-bas. Mais je vous jure. Mais elles sont chaudes. Oui, c'est eau chaude, donc ça va. C'est 5$, tranquille, voilà. Et ce soir c'est match de rugby les mecs. Match de rugby en canne pour voir ça quoi, encore un match de rugby, on va bien kiffer. C'est pas en canne. C'est en quoi? C'est pas un match de rugby en canne. C'est en quoi? C'est en quoi? Du coup voilà un peu le programme de la journée et c'est parti. C'est super. Et là tu vois des informations comme ça, on en a besoin dans les vidéos. Parce que ah là oui, c'est des petits moments de vie. Là je vais mettre mes choses. Voilà, c'est super. Bon, ça y est les mecs, on est en direction du stade, toujours le 15 de France sur les épaules. Voilà, donc aujourd'hui c'est le match Highlanders contre Hurricane, donc Dunedin contre Wellington. Voilà, on va aller voir ça tranquille, le stade a l'air magnifique. On se retrouve pendant le match les mecs, salut.
Et ce qui va être sympa en plus, c'est qu'on est avec les collègues avec qui on a travaillé aux pommes. Ça va être très très bonnard, on va être une troupe de français là, à faire du bruit. Donc voilà, ça va être très sympa. Le stade est juste là, magnifique, stade couvert, franchement, belle affiche et tout. Ah oui, non, et juste petite précision, impossible de trouver ce putain de maillot des Highlanders, je suis dégoûté. Donc Highlanders, c'est l'équipe du Nudine. Impossible de trouver le maillot, tous les jours, je suis allé au truc de sport, au magasin de sport, pour demander s'ils avaient le maillot, impossible de le trouver. Donc ici, c'est ma dernière chance de l'avoir, j'espère que je vais l'avoir. Et c'est parti, petite bière et le match quoi. Ouais. Pur plaisir, c'est rugby et bonheur aujourd'hui au programme. Voilà, ça c'est pour moi. Et voilà les gars, comme d'hab, avec le petit chapeau de KFC là, on va voir au merch s'ils ont le maillot, parce que moi je veux mon maillot bordel. Fais un unboxing, filme-moi. Victoire les mecs. Attends, j'ai le maillot, j'ai le maillot. Fais un unboxing du maillot, c'est un faux. Et merde. C'est un faux. On s'est fait duper. Bon, mais du coup, Maureen va avoir le maillot des Highlanders et moi, sous la veste, j'ai le maillot. Des Hurricanes. Et voilà les gars, petite bière, petit match là, ambiance rugby. On est bien contents, on est bien contents. Allez les mecs, regardez ça. Hurricanes contre Highlanders ici. Voilà. Qui va gagner? C'est ça, c'est le petit duel. Mais on sait déjà tout ce que c'est moi. Non mais par exemple, celui qui conduit le match. Ok. Toute la journée. Bah, si je gagne, c'est toi qui conduis. Si tu gagnes, c'est moi qui conduis. Après, c'est mon jour de conduire. Oui, mais ça changera rien, mais si je gagne, voilà, c'est bon, t'as compris? Eh oui. Voilà. Quand ils ont quoi sur la culotte? Qui c'est qui va les vérifier sous le kilt? J'en connais un qui va leur souffler la cornuse. Hein. Hop hop hop, je suis pas contre. S'il met des pouces bleus, je le fais, attention. Des pouces bleus. Des pouces bleus. Bon, pas d'essai les gars, pas d'essai, dommage. Il y a son père, ils ont pas reçu l'invitation les mecs de Dundee, je crois. Ils ont oublié de venir, il y a personne. Et c'est pour mon équipe, peut-être que demain je ne conduis pas. Voilà, et c'est transformé même, tu passes devant au score. Lâche-moi, on n'est pas copains. Mais... Bon, mais voilà, voilà, on est très bien là, on est au match là. On mange une salade. Ça y est, on est bien au match, les mecs, on est bien arrivés. Bon, les gars, Maureen est en train de se rassasier. Il y a combien déjà à la mi-temps là? Il y a 8 à 7. 8 à 7 pour les Hurricanes, donc moi en jaune là, jaune Tempoy. Maureen, demain tu conduis? On verra ça à la fin de la deuxième période. Ah oui. Sur l'aile. Sur l'aile. Yeah. Maureen qui conduit. Maureen qui conduit. Maureen qui conduit. Encore un essai des Highlands. Des Hurricanes. Je sais même plus pour qui je suis. Pas accepté. Ah si, il y est, regarde. Il y a écrit 20 là-bas. 20 à 7, Maureen. Tu vas bien conduire demain, toute la journée. Mais hier, tu m'as dit que t'étais pas pour les Hurricanes, tu m'as dit que t'étais pour les Highlanders. Bah, le maillot, il dit pas ça. Oui, mais tu t'es trompé ce matin. Non, le maillot, il dit pas ça. Peut-être que je vais retrouver les clés que tu vas conduire. Peut-être. Non, regarde le score. Et voilà les gars, fin du match, on est carrément sur la pelouse, plein régalade. On va essayer de choper quelques joueurs là, et après on va se rentrer tranquille, ça va être sympa. Enfin, je vais pas les emballer les joueurs, attention, je parle juste prendre des photos, attention. Attention les mecs, pas d'ambiguïté. Hop là, Jordi Barrett, Maureen. À la cool, Jordi, ça va, tranquille. Faut y aller.
Hugo, c'est pour toi la prochaine, hein. J'y crois moins. Et voilà les gars, à gagner en commentaire, un maximum de pouces ah bleus, bon un maximum de dons. Oh, je suis en train d'effacer, regarde mon doigt. Ouh là là. Oh la boulette. Oh là, oh là. Bon les gars, voilà. Ça, c'est fait. On se retrouve plus tard les gars, on quitte le stade, allez. Et voilà les amis, le pari est tenu pour Maureen, c'est elle qui conduit toute la journée parce qu'elle a perdu la grosse merde. Parce que c'était mon jour de conduire dans tous les cas. Ouais bon allez, oui mais ça aurait pu te sauver tu vois. Les amis, petite outro en voiture, ça y est c'est la fin de l'épisode 19 Maureen. 19. Voilà, c'est la fin, c'est la fin les gars, on se retrouve bientôt. Épisode 20, la semaine prochaine pour vous. Comme d'habitude, petit pouce bleu, petit abonnement et le partage, Maureen. Le partage, c'est super important. Même que ce soit dans la vie de tous les jours, attention. Pour l'équipe du monde. J'espère que vous avez kiffé cette ville de Dundee. Autant qu'on l'a kiffé, on a bien aimé. Franchement, c'était vraiment pas mal. Belle petite ville. À part pour prendre des douches, un petit peu cher ici, si jamais vous passez dans le coin, voilà. Voilà. Ben voilà, nous on va continuer notre petite route, pardon. Et voilà, Maureen, à toi de jouer les mots de la fin. Nous y allons. C'est parti. Au revoir, Dundee. Au revoir, Dundee. Au revoir, Dundee.